J'ai un projet de film, de long métrage sur, avec l'esprit de François Roustan. Et je fais déjà des entretiens pour m'aider à trouver des transpositions à réaliser après en mise en scène ou juste à chercher la forme. Un peu mon idéal, ce serait de pouvoir suivre un cabinet qui s'inspire de François Roustan dans la pratique. Mais c'est assez compliqué, hein, vous imaginez le truc? Je me suis dit, oui, mais en fait, ce genre de film, il faut rester simple, parce que la beauté, elle est dans la relation thérapeutique, elle n'est pas dans la mise en scène. C'est vrai qu'il faudrait trouver des patients qui ont déjà un ego tellement que Et le voilà. thérapeute, oui, Et enfin, le thérapeute, ouais, tout à fait. bah, c'est très compliqué pour le thérapeute Très aussi. compliqué. Oui. Il y a plein d'histoires d'ego là-dedans. C'est pas inintéressant d'ailleurs. Mais voilà, donc je suis un peu coincée pour l'instant, et aussi financièrement, parce que j'arrive. Ouais, enfin, il y a un gros bouquin là qui est sorti de lui là. L'apprentissage de la liberté, je crois. Ouais. En fait, j'ai vu là, je l'ai acheté hier ou avant-hier. Donc, en fait, il y a plein de textes. Qui était difficile, qui n'était pas très disponible. Hein. En tout cas, il y a plein d'inédits pour moi, ce qui m'a surpris. C'est une pensée qui est très féconde, à mon avis. Ouais, tout à fait. Ah bah oui, non, pour moi c'est essentiel. C'est un pilier de la pensée et de la vie, en fait, plus que de la pensée, mais de comme une sorte de guide de comment vivre, en fait. Comment bien vivre, pour moi, c'est François Roustan, et Ah voilà, oui. c'est tout. Alors voilà, donc mon idée, elle est déjà de là, je récolte des paroles qui sont les vôtres. Donc je suis allée voir déjà des thérapeutes qui sont vraiment dans la lignée de Roustan, ou qui aussi revendiquent leur liberté hein, là-dedans, leur manière à eux évidemment. Ceux qui ne voulaient pas faire école, donc on est loin d'être dans des pratiques qui singent la sienne. C'est juste impossible, on est d'accord. Et voilà. Et donc après, donc là, l'idée c'est de publier ça, et puis que un maximum de gens en profitent. Du coup, ça irrigue la pensée de François Roustan sur la toile déjà dans un premier temps. Ça, c'est en toute gratuité, et voilà. Et après, de faire un film à partir de ce que j'ai D'accord. récolté, de ce que j'arrive à faire, de si j'arrive à tisser une relation avec un thérapeute justement pour pouvoir ou un patient, ça peut être un seul, j'entends rien. Si j'arrive pas à suivre quelqu'un, ça va devenir quelque chose d'assez expérimental. Ça va devenir transposition, donc transposer qu'est-ce qui se passe en fait. Ça se voit pas. Généralement, ça se voit pas, à part quelques tremblements ou juste des phrases de patients qui lisent, qui témoignent de ce qui s'est passé pour eux, voire témoignage du thérapeute. Mais comment donner à voir en fait ce qui se passe au sein du fauteuil? Voilà. Donc ça peut donner lieu à plein de mises en scène, le fond qui recule, vous voyez, l'élargissement de l'espace. Mais ça, c'est de la mise en scène. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, je me pose des questions esthétiques, hein. Enfin, pas esthétiques, Bon. justement, éthique plutôt. L'image, oui, l'éthique aussi. Il y a l'esthétique dedans, d'ailleurs, mais je sais pas. Moi, j'adore faire ça. Ça va beaucoup m'amuser. J'ai rencontré François Roustan une fois. Je l'ai rencontré de la manière suivante. Je lisais un de ses livres. Je me souviens très précisément du lieu. Voilà, c'était un jour d'automne à Paris. Je lisais un de ses livres, je ne sais plus lequel, peut-être La fin de la plainte ou Il suffit d'un geste, enfin, un des livres de cette trilogie. Et puis, je me suis dit, mais ce livre me parle directement, dit des choses essentielles. Ce monsieur dit des choses essentielles. Et donc, je ne sais comment, parce que je ne sais plus exactement à quelle époque ça se situe, j'ai trouvé son numéro de téléphone et j'ai appelé dans la foulée. Voilà, je suis tombé sur lui. Et puis, il voulait pas prendre de rendez-vous parce qu'il était déjà assez âgé. Puis, je pense que voilà, son carnet de balles devait être assez plein. Et puis j'ai insisté, donc il m'a donné un rendez-vous 3 mois plus tard, et donc j'ai été le voir dans son bureau, dans le, je sais plus où, dans l'ouest de Paris. Voilà, et donc c'était ça ma rencontre avec Roustan.
Je vais vous proposer, avant de passer aux autres questions, si vous voulez bien, juste une toute petite expérience qu'on fait tous les deux. Tiens, je vais découper mon téléphone, excusez-moi. Pardon. Alors, d'imaginer, là maintenant, tous les deux, que François Austen est avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter plus précisément quand vous êtes entré dans la... quand il vous a ouvert, enfin, comment ça s'est passé vraiment physiquement? C'est une scène que j'ai racontée dans mon livre. Moi, j'ai le souvenir quand je suis entré donc dans ce bureau. Donc c'est un très bel immeuble. C'est un très bel immeuble. C'était un rez-de-chaussée. C'était un grand bureau d'un léger vertige devant cet espace en fait. C'est un souvenir que j'ai. Et puis, ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'était ce qui m'a semblé une quantité de sièges vides. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une foule de fantômes, hein, peut-être, qui étaient assis qui étaient assis dans ces sièges, et une très grande bibliothèque. Voilà, une très grande bibliothèque sur tout le fond de cette pièce, de son antre. Et donc, ben, il avait ce fauteuil un peu fétiche qu'il utilisait, voilà, qui trônait un peu au milieu de la pièce, le fauteuil du patient, le fauteuil de l'hypnose, on va dire, que j'ai trouvé assez inconfortable d'ailleurs. J'aime pas ce genre de fauteuil. Et puis il est allé s'installer assez loin dans un angle de la pièce. Il a pris un bloc-notes, voilà. Et donc j'étais là, je regardais la bibliothèque beaucoup. Il essayait de me poser des questions pour me demander bah, quel était mon sujet, quoi, quel était mon problème. Et en fait, j'en avais pas, parce que j'étais juste venu le rencontrer en fait. Et j'ai pas su lui dire, ou j'ai pas osé le lui dire. Parce que je sais pas, je me suis dit mais il va me trouver bizarre ou ça sera pas suffisant comme raison, il va me renvoyer. Alors qu'en fait c'était principalement ça, en tout cas c'est ce qui me semblait à l'époque. Et puis pendant qu'il me posait des questions, j'ai commencé, je suis complètement parti en hypnose tout seul. Comme ça m'est jamais arrivé à aucun moment. Parce qu'en fait, j'ai cette image d'un nuage d'orage qui grossit à l'horizon, et puis à un moment, bah, il y a la pluie qui tombe, et donc en fait, je m'étais préparé, je crois, bah, justement, à vivre une hypnose. Je crois que je suis arrivé sans qu'il y ait vraiment besoin de rien faire. Voilà, j'ai vécu ce que je voulais vivre. Donc je voyais des papillons, j'avais les yeux ouverts, je voyais des papillons dans la pièce, c'était assez curieux. Et je lui ai demandé si c'était ça l'hypnose, et je ne sais même plus ce qu'il m'a répondu. Et je suis rentré dans une espèce de catalepsie, comme ça, assez profonde, pas forcément très agréable, un peu paralysé, enfin voilà, quelque chose comme ça. Au bout d'un moment, voilà, on a eu une espèce de discussion. J'avais l'impression de m'enfoncer dans le fauteuil, justement. Et où il s'est mis à un moment en colère. Il m'a dit, tout jugement est imbécile. Parce que je pense que j'étais dans une espèce de complaisance aussi par rapport à ça, quelque chose en termes de déprimer, de descendre dans le fauteuil, donc de déprimer. Il y avait quelque chose autour de ça. Et il a réagi assez fortement. C'est le souvenir que j'en ai. Et puis à la fin, alors qu'il avait été assez froid, assez bourru, très, très bourru dans la première approche,
Il était très, très prévenant quand il m'a raccompagné. Et dans la rue, je me suis aperçu que j'étais complètement dans les vapes. C'était comme si j'avais pris, un espèce de somnifère très puissant. J'avançais à 2 à l'heure, j'étais complètement dans le coton. C'était une expérience très étrange. Vraiment, comme une narcose. Vraiment, comme si j'avais vraiment pris un. J'avais pris un. Un truc, quoi. Ouais. Voilà mon expérience avec Roustan. En fait, pour moi, Roustan fait partie des quelques maîtres que j'ai connus par l'écrit, fondamentalement. C'est-à-dire, il y a quelques personnes qui, dans ma vie, des hommes en l'occurrence, parce que c'est des maîtres, ça s'est trouvé comme ça, hein, j'ai pas, c'est pas par misogynie, c'est voilà. Quelques hommes qui, par leurs écrits, j'ai eu l'impression qu'ils me parlaient ou que je les connaissais. Voilà, de manière très intime. Et donc, le fait de les lire, à la limite, suffit à établir cette relation et à me nourrir. Et voilà, il y a deux, trois personnes comme ça. Un maître zen, et puis peut-être quelques écrivains comme ça, que j'ai l'impression d'avoir connus par l'écrit. Et en fait, Roustan reste, de ce point de vue, et par ses écrits, une source d'inspiration, quelqu'un vers qui je peux me retourner d'une certaine manière à un moment quand j'ai besoin d'entendre ce qu'il a d'essentiel à dire, que j'ai besoin de me le redire à moi et de me remettre au contact de cette chose essentielle. Et c'est ce qui m'est arrivé, il y a 2-3 ans, pendant un hiver où j'ai relu presque tout Roustan. Et à ce moment-là, le confinement est arrivé, un temps libre s'est ouvert devant moi et je me suis mis à écrire sur l'hypnose, en fait. Quand tout à l'heure vous témoignez, vous disiez, vous avez demandé à François Roustan, est-ce que c'est ça l'hypnose? Vous n'étiez pas encore hypnothérapeute? Si. J'étais pas hypnothérapeute, non, je sais plus où j'en étais, si j'étais déjà formé ou à l'hypnose ou pas. Je sais pas, j'ai pas cette mémoire de la chronologie et puis j'ai pas tellement envie de la chercher. Oui, non, c'était juste pas pour la question qui suit. Oui. Du coup, est-ce que ça a influencé votre parcours professionnel, du coup, cette rencontre Eh avec bien, vous? j'ai jamais. C'est une expérience très forte. Voilà, j'ai rencontré une fois et c'est quelque chose qui était très fort. Vous ne pourriez pas dire que ça a influé sur votre choix de faire ce métier-là, notamment. Sûrement, mais de toute façon, c'est une influence. C'est une influence d'écriture, que c'est un écrivain. Et que c'est important de le dire, je crois. C'est un maître au sens zen, parce qu'il y avait quelque chose d'un peu monastique, je ne sais pas. Bah oui, forcément, chez lui. En plus. Il y avait quelque chose du vieux sage, hein. Il y a vraiment cette dimension-là. Vous savez, de l'oracle qu'on va voir sur la montagne. Enfin, moi, je suis très inspiré par le taoïsme, mais alors pour moi, c'est exactement l'ermite qu'on va rencontrer au fond de la forêt qui vit dans sa cabane. Oui, voilà, il faut gravir la montagne et puis on va lui poser la question qu'on a. Enfin, vous voyez, ou le sphinx. Il y a cette dimension que je projette chez lui, et c'est quelqu'un qui parle d'une chose qui est pour moi essentielle, qui est la question du changement. Voilà, qu'est-ce qui nous change?
Qu'est-ce qui nous fait changer? Qu'est-ce que c'est quoi la présence? Donc, en fait, ce sont des questions que j'ai abordées, que j'ai explorées de diverses façons, par la méditation, par d'autres expériences, par la fiction, par l'écriture, par plein de choses. Mais c'est quelqu'un qui a qui touche quelque chose dans sa philosophie d'essentiel et une sorte de pierre sur laquelle on peut toujours s'appuyer pour repartir, pour réfléchir, et quelque chose d'assez inépuisable en fait dans cette vision et cette ce qu'il disait de la présence et de la présence thérapeutique, puisque moi je suis thérapeute et coach, et donc la question du changement, la question de quelle posture tenir, la question de comment être utile, de comment aider, de comment, voilà, et sa pratique presque brutale, très radicale, qui m'a beaucoup rappelé des maîtres zen, quoi qu'il n'ait pas du tout pratiqué la méditation, il le dit, même s'il s'intéressait au Tao, à des choses comme ça, évidemment, c'est un esprit très, très curieux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré dans ma pratique, dans ma posture, et incité à continuer à creuser, à revenir dessus. C'est assez inépuisable. Je veux bien qu'on parle de cette posture du thérapeute, du coup, ça m'intéresse beaucoup. C'est lié à cette petite phrase, l'indifférence à la guérison. Il y a un truc comme ça, dans la brutalité, dans le côté rude de l'approche. Comment ça se passe pour vous en tant que thérapeute, du coup, ce truc-là? Il y a une autre chose qui est très, qui pour moi est très, peut-être, procède d'une espèce de fond d'identification quelque part ou de projection par rapport à une sorte de maître de thérapie avec une dimension paternelle, que sais-je. C'est aussi sa trajectoire à lui, sa trajectoire d'homme et d'aidant, de soignant ou de thérapeute. C'est-à-dire que moi aussi, je viens de la psychanalyse. Et la trajectoire intellectuelle et voilà son mouvement de vie est très inspirant parce que aussi dans sa vie on voit et quand on le lit et ben il y a un Roustan qui parle le Lacan dans le texte qui est capable de ferrailler avec Lacan et l'école psychanalytique, avec les mots absolument de la psychanalyse, voire le jargon, c'est-à-dire qu'il s'en est totalement imprégné. Il y a quelque chose de très frappant dans son érudition, dans le côté aussi brillant et très profond de son intelligence, le fait d'aller chercher les sources freudiennes pour ne pas rentrer dans le dogme, mais le questionner. Et donc, le courage d'aller, de cette liberté, qui est très, très forte chez lui, à mon avis, qui est d'aller interroger de ne jamais se satisfaire du dogme, c'est une chose, et de savoir quitter même la rupture, une véritable rupture. Déjà avec l'Église, et puis ensuite avec la psychanalyse. Et moi, j'ai eu un rapport qui a été d'amour-haine avec la psychanalyse, et en même temps très intéressant, enfin voilà, mais et très formateur, mais de quelque chose dont il faut savoir se dégager, et donc à suivre sa trajectoire, la manière dont il se dégage de ça. Pour l'aventure de l'hypnose à l'époque, c'est un mouvement que moi-même j'ai fait d'une certaine manière. C'est-à-dire que je l'ai vu comme un ouvreur de chemin.
ou en tout cas, j'ai pu m'appuyer sur sa propre trajectoire pour rêver ou imaginer la mienne, en toute modestie, bien sûr, mais voilà, en disant, c'est ce changement-là, ça n'est pas seulement celui qu'on demande aux patients, c'est celui, c'est l'exigence que l'on a pour soi. Et c'est quelque chose d'absolument indissociable. Et il y a chez lui une espèce de modestie. Il parle très peu de ça. Par contre, dans sa réflexion, il y a beaucoup d'articles, donc voilà, il y a beaucoup d'écrits. Et donc, on voit ce mouvement qu'il fait, ce changement qu'il opère, cette réflexion qu'il a, et qui est vraiment oui, c'est ça, une voie qu'il ouvre, un fil d'Ariane. Toujours avec cette notion de la liberté, la sienne, pour que le patient puisse prendre la sienne. C'est ce travail-là. Donc le travail de posture, et dans le travail de posture, il y a quelque chose qui est très très proche de moi, de ce que j'ai découvert dans la méditation, qui m'a beaucoup, dans mon propre parcours, qui a été très importante à l'issue de la psychanalyse, comme une espèce de complément parfait à la psychanalyse, c'est-à-dire au trop de mots, quelque part, ou aux mots qui s'épuisent ou qui tournent en rond. Et à un moment, vous avez la méditation, en tout cas le zen, qui vous dit, mais voilà, ce ne sont que des mots, et on peut juste revenir à l'instant, au corps, au souffle, des choses tout à fait basiques, et qui m'ont libéré d'une révérence excessive aux mots ou au langage. Et il y a ça chez Chat, je ne sais pas, mais il y a ça chez Roustan, d'une méfiance aussi vis-à-vis des mots, vis-à-vis de la plainte, vis-à-vis de la complaisance, voilà, de rester dans un langage qui n'a pas prise sur le réel et qui tourne en boucle, hein, ce qu'on pourrait appeler une hypnose négative. Et donc, sa manière de bousculer à cet endroit-là, de libérez-vous, c'est quelque chose qui est tout à fait, qui me parle tout à fait. J'ai rien choisi. Je me suis posé, en ce moment, je suis posé dans un endroit qui est tout à fait impersonnel, et qui est vide qui est vide d'intention particulière. Voilà. C'est une manière d'honorer aussi cette posture-là, paradoxalement. Ouais, tout à fait. Donc, oui, moi je crois beaucoup. Bon, d'ailleurs, il en parle, hein, de ce vide d'intention, c'est-à-dire de la transe du thérapeute. Et c'est vrai que quand. Il a des choses d'ailleurs assez intéressantes sur. Enfin, il y a tellement de choses à dire, hein, C'est énorme. il y a tellement de fils à tirer. Mais. Oui, cette notion de disposition, dans ce qu'il appelle la disposition, c'est-à-dire une forme de disponibilité, justement, sans intention, sans objectif pour l'autre, sans d'acceptation de ce qui vient, y compris de sa propre impuissance, par rapport à ce qui arrive. Et de confiance à ce que quelque chose émerge. Je ne sais pas quoi, on verra à ce moment-là. Cette posture-là, elle est très. Pour moi, c'est l'essence du changement, c'est-à-dire que ce soit dans le coaching, dans la thérapie, quelle que soit l'étiquette qu'on mette sur les choses, c'est à cet endroit-là qu'il peut se passer quelque chose. Est-ce que vous pourriez m'évoquer un patient, enfin, ce qui s'est passé pour un patient, si quelqu'un a témoigné de... D'une image ou d'une impression qui surnage de l'expérience.
ou même du fait qu'ils ont décroché, donc ils ont été dans un oubli. Donc c'est plutôt ou d'un inconfort ou de voilà, il y a quelque chose qui en général c'est ça. Il y a quelque chose qui reste souvent quand on évoque après la séance, voilà, si on échange, pas toujours d'ailleurs, mais enfin quand on échange sur ce qui a émergé, sur ce qu'ils ont perçu, sur ce qui leur reste, voilà. Mais c'est voilà, c'est des impressions, mais ils vont pas me parler de Oui, non, perceptude bien sûr. en général. C'est parce qu'on se comprend tous les deux Oui. sur cette question-là. Ils disent, bah, je volais. Oui, il y a des choses qui sont des expériences qu'on pourrait dire oniriques. Voilà. Des bouts de voyage. Ah oui, si vous faisiez une œuvre, un portrait, vous avez déjà écrit un bouquin, Bah un oui. dessin avec l'esprit de Roustan, Bah je me oui. demandais quel trait vous souhaiteriez y déposer par fidélité à son égard. Ben ça, je l'ai fait. Je l'ai fait et puis je continuerai peut-être à le faire parce que je suis dans un autre écrit autour plus orienté sur la question du changement. Et donc, ben je pense que je vais encore puiser au puits. Au puits Roustan, il y a plein de manières d'aborder ça, mais sinon, oui, non, sinon, ça serait avec votre question d'avant, ça serait d'ici quelques années d'avoir un cabinet comme le sien avec une très grande bibliothèque et puis plein de fauteuils vides et un fauteuil Zarbi au milieu. Et on Super dirait douloureux. aux gens, quand vous vous posez là, c'est le fauteuil de l'hypnose. Alors déjà, il serait parti. Ouais, qu'il est le précédé, la réputation de son fauteuil, je pense. À chacun. C'est sûr, il y avait Oui, déjà. c'est amusant ça. Il y avait une sorte de... C'était un peu un fétiche hein, pour lui, j'ai Ah l'impression. ouais, quand même. Je sais pas. M'a semblé. C'est marrant parce que vous êtes le deuxième ou troisième à me dire la multitude des fauteuils là. Alors il y en a, bah non, il n'y avait qu'un fauteuil, je ne comprends pas. Pourtant, je suis venue souvent, mais parce que c'était lui, je pense qu'elle avait focus sur. Donc il y en avait sans Intéressant. doute plein d'autres derrière. Mais elle avait... C'est une personne qui est venue souvent le voir. D'accord. Alors. Ah oui, alors j'ai une question qui me plaît bien, moi. C'est de la musique et de la danse à l'hypnose. Selon Roustan. Quand je suis allé voir Roustan, c'est en regardant la couverture d'un livre qui était dans sa bibliothèque, qui était un livre sur la danse. Ah ouais. Je m'en souviens que je suis parti, que je suis parti dans mes papillons. Voilà, c'était un livre, je crois, de Découfflé. Ah ouais, très bien. Vous D'accord. voyez, je m'en souviens encore. Très coloré. C'était un livre, voilà, c'était un livre sur la danse. Et je ne sais pas, oui, bien sûr, il y a une danse hypnotique. Les danses rituelles, moi je pense à ça. Je pense au reggae, voilà, je pense à des images de choses où on rentre dans un rythme, comme un rythme chamanique. Pour moi, ce serait ça, ce serait peut-être ça. Dessous, je me disais que je mettais peut-être la question du mouvement et du changement, tout simplement. Aussi, mais. Et du Du mouvement. geste. Voilà, alors c'est le geste, c'est Ouais, le geste. effectivement le... Voilà, c'est dans le fauteuil, c'est en hypnose, c'est les gestes qu'on peut faire, hein, ou ce qu'on peut sculpter devant soi, ce qu'on peut... les ailes qu'on peut se voir pousser, le lion qu'on peut devenir, voilà, c'est... C'est ça.
Alors, la relation entre un état d'enfance et l'hypnose de Roustan, l'importance du bébé dans son approche. Ça, je ne sais pas. D'accord. C'est pas quelque chose qui m'a. Je connais ces pages hein, sur cette dimension-là et je pense que c'est très. Il y a quelque chose de très juste. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que. De toute façon, je crois que notre capacité de. Bien sûr que dans l'hypnose, on connecte quelque chose de l'enfance. Et puis l'enfance, c'est presque. Enfin voilà, on vit dans un monde extraordinairement hypnotique. On se laisse absorber dans des choses fantastiques, dans des rêveries, dans des fictions, des illusions, et on a l'impression d'y être tout entier, d'y être. Donc c'est ça qu'on rappelle. Par l'expérience de faire comme si, voilà, comme si on était un lion, comme si on volait, comme si on pouvait pousser la porte. C'est des choses qui, voilà, qui reconnectent évidemment avec cette source. Oui, c'est la relation à l'imaginaire, finalement. Absolument. Au rêve éveillé, à la projection sans réserve, sans censure, sans a priori. La disposition, la nouvelle disposition, enfin, une disposition à. Voilà, une disponibilité, une ouverture, cette ambiance des premières fois, de l'inédit, de ce qui est à chaque fois complètement nouveau et qu'on découvre. Donc en fait, c'est ça, quand on arrive à passer cette porte-là, ben, tout de suite la vie devient différente. On a bougé quelque chose d'essentiel. On a repris racine dans le vivant pour. À partir de cette présence-là, et ben on repart, voilà. Avance à nouveau. Ouais, tout à fait. Alors, j'avais noté ça, mais vous y avez peut-être répondu. De la spiritualité à l'œuvre au creux de son fauteuil. Sa présence monastique, etc. On en a parlé. Hein. Je pense que c'est OK. Mais peut-être vous avez un autre truc à Ah bah il y a dire. oui. Oui, là, il y a quelque chose qui est. Il y a une coquetterie, là, chez Roustan. Il y a une coquetterie qui est de dire, mais non, c'est pas mystique, mais non, il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Voilà, il y a ça qui m'a toujours paru un écran de fumée. Mais enfin, bon, il dit ça, il dit le contraire aussi. C'est-à-dire, il dit, il n'y a pas de religiosité. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça qu'il. Mais il y a bien quelque chose de sacré dans cet espace dans lequel on va. Moi, j'ai pas le goût de la religion, mais j'ai le sens du sacré. Et c'est important. Et on l'a tous quelque part. Et on a tellement besoin de renouer avec des choses qui, voilà, simplement qui ont du sens, qui ont un sens profond, puis particulièrement dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même très, très déboussolant, très, très déracinant, très dispersant. Et donc, bien sûr, qu'il y a une dimension spirituelle. Autour de la vie, autour du vivant, autour de la présence. Voilà, c'est des choses à la fois simples. Et de ce côté, il y a. Roustan dit quelque part que. Il y a la question du rapport à la mort. Il le dit quelque part. Il dit, si je sais plus, c'est dans une de ces derniers entretiens, il dit. Si j'avais encore le temps, j'écrirais quelque chose sur la mort, le rapport à la mort dans la thérapie et dans la position thérapeutique.
Il faut pouvoir traverser ça quelque part pour pouvoir être un thérapeute qui n'a peur de rien. Et c'est quelque chose, de très là, là il y a quelque chose de très important, je crois, pour la posture de thérapeute. J'ai lu un dialogue avec, enfin, retransmis par Jean-Marc Benayam. Oui. Quand à la fin de ses jours, en fait, qu'il dialoguait avec lui sur son lit d'hôpital, finalement, que Roustan lui avait dit ne t'inquiète pas pour moi, c'est pas sérieux la mort, je veux pas louper ça. Donc il y avait vraiment un truc de ok, quoi, welcome. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, C'est vraiment je important pense que oui, mais c'est bien la question de la liberté. Ouais. Pour être libre, il faut être libre de la peur. Mais la peur, c'est toujours la peur de la mort. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qu'il avait manifestement traversé. C'est en ça que c'est un, je le mettrais, c'est son côté éveillé, au sens sage. Vous voyez, c'est de traverser ça quelque part, c'est de dépasser ça. Oui, parce que pour quelqu'un qui a cru en Dieu, évidemment, la religiosité, c'est le jugement dernier. Alors, selon moi, il n'existe pas, même si peut-être il y a un truc, j'en sais rien, on ne saura jamais. Même lui, je pense qu'il savait qu'il saurait. Il pourrait pas, il pouvait pas savoir de son vivant. On saura qu'en Oui, passant. je ne sais plus s'il y croyait. Alors, ça aide beaucoup, hein, la religiosité, Ah oui. quand on croit qu'il y a Ah la vie oui. après la mort. Ça Ah aide oui, beaucoup. j'ai vu ça dans les EHPAD. Ouais. La question de la croyance, elle n'est pas du tout neutre dans la manière dont on appréhende la mort, la sienne et puis celle des autres. Oui, il a toujours, quand il l'évoquait, traité ça une espèce de légèreté. C'est ça, effectivement, de dire que c'est rien. Enfin, voilà, Ouais, quoi. c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et il y a cette fameuse scène avec Carrère, que Carrère raconte, justement, autour de ça, autour du suicide et de sa mort possible et de se donner la mort, et qui lui dit, bah, écoutez, oui, bon, c'est une option, hein, ça peut s'envisager, pourquoi pas? Et qui dit aujourd'hui ça n'a pas tellement bonne presse, et pourtant il y a des temps où c'était tout à fait digne et ok, et en même temps bah, vous pouvez vivre. Enfin voilà, Et quelques secondes de silence entre les deux. voilà, Tout à fait, je me rappelle bien de ça. Je pense qu'il y avait, oui, il y a quelque chose, je dirais. Présence, gravité. Silence. Ça me fait des frissons. Je ne sais pas si c'est parce que le soleil vient de s'échapper. Pour moi, il a dégagé le principe de la gangue, de tout un tas de choses qui sont des techniques, qui sont qui sont toujours utiles, qui font partie du bagage. D'ailleurs, il le dit, qu'il faut tout apprendre et puis ensuite tout oublier. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais donc, il a quelque chose là de revenir à une espèce de nudité, à quelque chose justement de sans défense, de quelque chose de qui peut mettre le thérapeute justement dans une position pas facile à tenir, hein, parce qu'on essaie de se rassurer aussi, y compris voilà, dans cette position-là. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a dénudé l'espace autour pour laisser apparaître la forme de l'essentiel. Donc pour moi, c'est ça. C'est cette notion d'essence ou de principe essentiel de changement, et sans besoin d'ajouter des choses. C'est
C'est plutôt ça. C'est un Ouais. principe de d'aller vers la simplification. C'est-à-dire que c'est. Et c'est le mouvement de sa vie, il me semble. C'est-à-dire qu'il se défait de plusieurs gloses. Il y a la glose de la théologie, il y a la glose freudienne, il y a la prolifération de mots autour de Lacan, tous les jargons. Et il va vers des choses plus opératoires, plus simple, plus direct. Il va vers ce travail-là et il se défait de toute une. C'est pas qu'il se défasse de toute une érudition, mais il y a tout un. C'est un homme d'un savoir immense, mais qui va vers la simplicité. Et pour moi, c'est quelque chose que je trouve très très touchant et qui est une recherche qui mène jusqu'au bout. Voilà, qui ne lâche jamais. Donc c'est très beau ce fil qu'il tire avec une curiosité, une détermination, une énergie, un plaisir inépuisable. Je pensais quand vous parliez à Giacometti, au marcheur. Absolument. Ouais. Juste C'est ça. la ligne mais toujours en mouvement quoi, enfin, voilà, qui continue à avancer. C'est ça, pour moi, c'est le Tao, l'homme, la verticalité entre ciel et terre. Quelqu'un de très vertical, Roustan, quelque part, dans le sens d'un repère, d'un pilier, de quelqu'un qui structure. Voilà, donc un peu un phare, pour reprendre une expression un peu galvaudée, mais en tout cas quelqu'un qui éclaire et à partir duquel on peut revenir à cet endroit-là et réinterroger, et on apprendra toujours quelque chose. Ah, et puis quel plaisir de replonger dedans. Moi, j'ai carrément fait Absolument. la lecture à haute voix avec une copine, quoi. Oh, c'était Ah génial. oui. C'était génial. Mais Et du coup, quoi, qu'est-ce que vous préférez de lui alors? moi, j'ai commencé par le dernier des trois. Enfin, moi, je les ai lus sous Savoir attendre. attendre pour que la vie change, justement, le mot changement. Et là, je suis tombée comme si c'était mon copain. Il comprenait tout ce que j'avais dans la tête, mais il le disait à ma place. Et très bien. Et puis avec toute son érudition que je n'ai pas forcément, même si on avait des points communs dans l'érudition, mais lui, c'est intégré. Lui, c'est intégré, quoi. C'est dans le noyau dur. Alors que moi, c'est encore très... Enfin, je me disais par rapport à comment je pense. J'ai cette chance de pas stocker. J'arrive pas à stocker, en fait. Ma mémoire ne stocke pas. Et c'est parfait parce que du coup, je suis dans ce permanent mouvement qui est finalement difficile à retrouver pour certaines personnes, certains sachants qui se bloquent dans le savoir là et qui t'écrasent avec leur poids là. Alors que lui, il savait, il avait tout stocké, il pouvait te ressortir des trucs là. Enfin, je l'ai jamais rencontré, hein, mais j'imagine ça. Et en même temps, Il n'était pas encore bien juste du la tout. présence, juste un pilier sans un centre, quoi, et qui laissait l'autre, pour moi, il laissait l'autre être qui il est, exactement qui il est, c'est tout. Et puis, du coup, ça se voit pas, mais c'est essentiel. Voilà, sauf que c'est magnifique, pas très beau. Alors, donc les petites dernières, c'est est-ce que vous auriez quelque chose d'autre d'essentiel à exprimer C'est déjà bien. Je ne suis pas sûr d'avoir quoi que ce soit d'essentiel. En plus, ça serait un petit peu prétentieux. Voilà, bah vous, je ne sais pas si vous, dans le matériau, là, si vous aurez deux, trois choses à pêcher. Oh ben si. Ah non, non, ben non, 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 c'est passionnant, non, 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 c'est super, et puis c'est toujours différent selon les personnes, donc à chaque fois, puis ce qui m'intéresse, c'est la singularité du regard, donc c'est votre regard, et c'est ça qui est beau, c'est comment chacun chemine avec sa pensée, enfin, Absolument. voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. Alors juste, moi, j'avais envie de m'amuser à un moment donné dans mon délire de Je cinéaste, vais là, dire un truc quand oui, même. Je vais allez-y. dire un truc. C'est sa dimension de combattant. Ah ouais, intéressant. Voilà. C'est un sacré bretteur.
C'est-à-dire, Je connais pas ce mot, ouais. c'est pas. C'est quelqu'un qui monte au front. C'est quelqu'un qui n'a, voilà, qui a beaucoup de courage intellectuel, qui n'a pas peur d'être seul contre tous, qui est mené par une exigence de liberté et de vérité. Et quand on lit ses écrits, sous Lacan, comment juste ce qui l'amène à l'hypnose, il y a vraiment cette dimension-là, moi, que je trouve très, très, très forte et très importante. C'est quelqu'un qui confronte. C'est quelqu'un qui confronte. Et c'est ça aussi qui est. On parlait de brutalité. Ou de radicalité dans la posture, qui n'est pas une violence, mais qui est une capacité de provoquer et d'aller de taper à l'endroit précis. Hein, il y a quelque chose d'une précision aussi très très forte que permet justement cette espèce de nudité, cette espèce de simplicité, cette espèce voilà de d'adresse directe qu'il cherche et qu'il trouve. Et donc, il y a aussi cette dimension du sniper hein, chez Rousseau. Ouais, l'acuité, c'est vrai. Ah oui. Le regard en plus. Quelque chose de tranchant. Oui, Ouais. tout à fait. Tout à fait. Quelle est la part qui vous saute aux yeux si on Ah, moi, s'appelle là? pour moi, c'est le maître zen. Bah voilà, je crois qu'on est bon, c'est parfait. Oui. Merci beaucoup. C'était riche et très agréable pour moi d'enrichir toujours le sujet. Bon, Ça bah peut être goûtez-le. infini toute ma vie, je vais faire des entretiens autour de Houston. Bah Ça fait du bien. écoutez, tant que ça vous plaît, ça va. Bah tenez-moi au courant hein, de vos aventures.